chers compatriotes Yakaeteke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kwamout. Fourier, Bapang Bamene Bayaka, Kitwaka Fili, Kitwaka Nwanina, Betuye Bateke, Tene Kimakimos, Tene Bapang, Bateke, Yebet, Tene Kimakimos, Tukatuloka Yengomo Katibet, Tukalakokimos, Yvasuta Babet by Fardese, Yva Police Moussatun Kulambel, Nzenze, Katuhuni. Aux confessions religieuses, distingués ministres dédiés, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FRDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuient sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandundu. On a bandé kobasso ya Grand Bandundu. Ozala moteke, ozala moyaka, biso baso toza tata moko mama moko, tozo senga na bino, ata ozali na mai, ata ozana biloka kolia, kopesa munguna te, bimisa bango polele na FARDCP ya police nationale congolaise, pote kimia solo solo emonan. Aux jeunes du Grand Bandundu, désolidarisez-vous de groupes des inciviques. Dénoncez leur réseau, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix. Accueillez votre armée avec toute joie. Exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités. Cultivez la paix, c'est assurer l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Batata ba mama ya Grand Bandundu. Beto kodisa bana na beto na kuzola insi ya Congo. Na kula kisabao, luzolo ya insi na kati ya mabuta. Kupesa lusadisu na mpulusu mpi na forces armées ya République démocratique ya Congo. Kukodisa ngemba mpamba ve, kutomboma ya Grand Bandundu, ikele. Fondo mingi, sambo na République démocratique ya Congo. À l'occasion de la cérémonie, marquant la reconnaissance éclair et du commandement de l'état-major général. Le chef d'état-major général sortant des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, a supervisé ce lundi devant les grands bâtiments de l'état-major général les travaux des préparatifs de la cérémonie des reconnaissances des grades et des passations des commandements à l'état-major général entre lui et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant général Tuo Esongesha Christian. Ces entraînements se sont déroulés en présence de plusieurs hauts gradés des FRDC, notamment les généraux-majors Ichalingonja, Ndourou Jacques, et Chikochi Tambo Jérôme, récemment désignés respectivement aux fonctions des chefs d'état-major général, adjoint en charge des opérations et renseignements et sous-chef d'état-major général en charge des opérations. Les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Konga Constant, a rehaussé de sa présence à ses entraînements profitant de son séjour à Kinshasa pour la remise et reprise avec le nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le général-major Kasonga Chibangu, Léon Richard. La présence du chef d'état-major général sortant, le général d'armée Mbala Moussense Célestin, dans ses entraînements, dément les rumeurs et les informations véhiculées sur l'arrestation du général d'armée Mbala Moussense Célestin le dimanche dernier. Venus de tous les coins et recoins de l'Ituri et du Haut-Ouélé, 358 candidats civils, policiers et militaires ont pris part ce dimanche au concours national de recrutement de magistrats Konarem 2022 à Bounia. Augmenter l'effectif des magistrats est la preuve manifeste de la détermination du magistrat suprême. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a amélioré le fonctionnement de l'appareil judiciaire du pays car dit-on que la justice élève une nation, a souligné le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Luboya Nkansha Madjoni, qui a présidé la cérémonie officielle du lancement de ces concours.
C'est ici pour moi l'occasion de rendre des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des phares d'essai de la police nationale, surtout magistrat suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des efforts si louables qu'il ne cesse de fournir afin que notre pays puisse retrouver la paix et consolider l'état de droit. Occasion pour le colonel Nzao Keba, chef de la délégation du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler aux candidats quelques consignes à observer. Dès l'ouverture de malles contenant les items devant le candidat à la distribution de ces items dans la grande salle de l'université de Bounia, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Louboyan Kanchamadjoni, juriste de formation, a remercié les commandants suprêmes pour cette opportunité offerte aux jeunes de l'Ituri et des Haute-Wélé, en particulier et ceux de la RDC en général. Cet examen, moi je suis juriste comme vous le savez, pour le faire ce n'était pas facile. Il y a 30 ans, nous avons terminé pour avoir accédé au barreau, à la magistrature, ce n'était pas une chose facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vient de régulariser. Et là, c'est vraiment le cas de remercier le président de la République, commandant suprême, pour cette chance-là qu'il vient de donner aux jeunes. Et aussi, c'est une chance, pourquoi ? Parce qu'on va renouveler. Vous savez, la jeunesse amène l'espoir. Rappelons que cette évaluation vise également à rapprocher les judiciables de leur juge naturel, car le premier devoir des magistrats est d'être juste avant d'être formaliste, a dit Voltaire. La population de l'Ituri doit s'approprier le projet d'autonomisation des femmes et de mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la transformation économique de la RDC. Ce projet qui sera exécuté d'ici la fin de l'année dans une province en voie de stabilisation suite aux actions menées par les forces armées vise à lutter contre le chômage, a dit le coordonnateur national de PADMP, Alexis Mangala. Au sortir d'une audience lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Louboyan Kanchamadjoni. Il était utile d'en parler avec l'autorité provinciale pour d'abord une appropriation au niveau de la province, pour le sensibiliser et pour compter sur son appui dans l'installation et la mise en œuvre des activités de ce projet-là. Le projet va apporter un soutien aux femmes entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises qui sont établies ici pour les moderniser. Et ceci en termes de subventions précédées par un accompagnement et des formations appropriées. Et aussi, le projet va promouvoir la création des centres de PME qui sont des espaces, qui utilisent des PME, un groupe de PME, un ensemble de PME, et où ils mutualisent un certain nombre d'équipements. Financé à hauteur de 300 millions de dollars américains, ce projet sera exécuté pendant 5 ans, ce qui suscite un espoir pour les femmes victimes des atrocités commises par les groupes armés depuis décembre 2017. Il vient ainsi s'ajouter à d'autres projets, notamment le programme de développement de 145 territoires et le pays de DRCS qui offre aux jeunes ituriens des opportunités d'emploi en vue d'assurer leur avenir, de quitter les groupes armés et participer au bien-être du pays. Relever les défis de la pauvreté dans le milieu rural, lutter contre les inégalités sociales, créer une classe sociale moyenne en RDC, voilà entre autres motivations du programme de développement de 145 territoires à la base dans la République démocratique du Congo. Le Nord Kivu, province pilote dans la matérialisation de cette gigantesque vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lance ce 29 septembre 2022 l'ambitieux PDL 145T depuis le territoire de Massissi dans le groupement Kamurunza via son Excellence lieutenant-général Constant Dima Kongba, gouverneur de la province. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses
de la province du Nord Kivu, toujours piloté à bien des gars, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo à matérialiser cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Le Nord Kivu devient ainsi la vitrine par excellence de la matérialisation de cette gouvernance de proximité, gage d'un développement intégré et intégral de notre pays. Satisfaction des écoliers sur place qui remercient les autorités congolaises. Merci encore une fois de plus pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire de l'enfant congolais et au centre d'intérêt et qui avantage plus les mêmes filles qui a aujourd'hui un grand effectif par rapport aux garçons. Le PEDEL 145T constitue des investissements massifs en milieu rural pour créer un équilibre social conformément aux objectifs qui cadrent avec les plans d'action prioritaires de la province du Nord Kivu. Plus de 80 projets pour cette première phase des 6 mois en faveur de territoires bénéficiaires, 6 au total en province. Les infrastructures des bases dans les secteurs de santé et éducation seront remises d'ici février 2023. Sous les applaudissements quand même. Précisons que d'autres projets, notamment dans le secteur de l'électrification, du développement, de l'autonomisation de la femme et des jeunes, sont repris dans le PDL 145T, notamment dans sa deuxième phase. Après 7 mois d'absence dans son poste de travail pour raison d'études, à la 7e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses GESD, c'est le mercredi 5 octobre 2022 que le général de brigade Kisseboué Lamoussen Isaac, commandant du secteur opérationnel Ouélé, a regagné son état-major situé au territoire de Dungu, via Isiro, chef-lieu de la province de Haut-Ouélé. Il était accueilli à Eti, localité située à plus ou moins 8 km de Dungu centre par les officiers, sous-officiers et soldats de son unité. Après avoir reçu les honneurs dignes de son rang, le cortège s'est dirigé vers Evaza où est installé l'état-major du 10 secteur, là où un cocktail était organisé pour la circonstance. Reconnu pour son dévouement au travail, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a présidé une réunion de travail à la salle des opérations le jeudi 6 octobre 2022 à l'intention des membres de son état-major. Au cours de celle-ci, le général Kisseboué a félicité ces derniers pour le travail abattu durant son absence avant de les exhorter au professionnalisme et à une collaboration étroite pour la réussite de leur mission. Enfin, le commandant du secteur opérationnel Ouélé a instruit le colonel Ndélo Justin, chargé des opérations, et le colonel Mompa Foloko Flo, chargé des renseignements du secteur opérationnel Ouélé, de rejoindre la localité de Bakou, localité du territoire Tewata, frontalière avec l'Ituri, où nos vaillants militaires mènent des opérations de grande envergure. Signalons que depuis un certain temps, la présence des combattants Codeco était signalée dans cette partie de la République. Le général de brigade Moyo Rabi Richard, commandant en second chargé des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ouélé, accompagné des membres de son état-major, a fait une visite de travail le samedi 1er octobre 2022 à Niangara, territoire de Haut-Ouélé situé au centre du continent africain. L'objet de sa mission était de se rendre compte de l'incident qui a eu lieu le vendredi 30 septembre de cette année dans la cité de Niangara, suite au meurtre de M. Motalimbo Trésor, trafiquant de bétail de
de sa nature par les trois personnes porteurs d'armes de guerre. L'événement s'est déroulé au marché parc des villages Bimbo à 5 km de la cité de Nyangara. Informée, la population s'est attaquée au sujet Mbororo. Heureusement, les éléments des 32-05 régiments étaient venus au secours à ces élèves et ils ont eu la vie sauve. Pour le moment, 127 Mbororo, dont hommes, femmes et enfants confondus, sont gardés par les forces armées de la République démocratique du Congo à l'état-major du régiment de Nyangara en attendant les dispositions pratiques du gouvernorat provincial. Dès son arrivée, le général Moyo a tenu une réunion de travail dans la salle des opérations de l'état-major des 32-05 régiments où il a suivi l'exposé du lieutenant-colonel Nkuna, chef S3 de la dite unité et de la mise au point faite par le colonel Lindanga Jovi, commandant à second chargé des opérations et renseignements de ces régiments. Le général Moyo a donné des instructions efficaces afin que ses assaillants soient appréhendés dans leur cavale. Après cette rencontre, le commandant à second chargé des opérations et renseignements du secteur opérationnel Ouélé a assisté à la réunion de sécurité locale présidée par Monsieur l'administrateur du territoire de Nyangara, Héritier Matikine. À la fin, nous avons recueilli les témoignages d'un rescapé et les propos des membres de la société civile. Ils allaient vendredi à 10h, je suis allé au parc, il y a trois personnes. De ngana kimina na kimina zamba na de komoko pe azaki na park yana na kende kusaka cascade nini batire pe arme isimbaki yete ensuite ni ba kutie ni ba sololite papa mokomboro aleli pona bangba bo mayete ba o mandi ayi par bangu ayi pa ni kusoma kandolo ba boy koyuka yi ni batire ki arme ko teresa ko solona passo un appel pathétique à notre papa le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc c'est lui le garant de la nation, de prendre le dossier Mbororo à bras le corps. Que personne ne trompe. Ces affaires qui sont ici sont en train de... Nous demandons au ministre national de l'Intérieur de renforcer encore et de boucher toutes les entrées là où ces vers s'infiltrent pour venir menacer la population de Nyangara pour que leurs bêtes puissent à chaque état déranger les chats de nos pauvres populations. Nous avons confiance à l'armée de notre pays parce qu'ils sont capables de remettre la paix dans notre territoire de Nyangara. Les éléments du secteur opérationnel Ouélé sont déterminés à traquer tous les porteurs illégaux d'armes et de guerre sans préférence aucune. Civil Monsieur Mbouichi Manga, Yannick et consort. La haute cour militaire a tenu jeudi 6 octobre 2022 au nouveau palais de justice à Kinshasa-Gombe son audience introductive dans la cause ministère public contre le commissaire supérieur Lokeso Koso Karim et consort. Les prévenus commissaires supérieurs Lokeso et brigadier en chef Tokis Kumbo ont saisi en appel cette haute juridiction des forces armées de la République démocratique du Congo après avoir qualifié de mal jugé leur condamnation par la cour militaire de Kinshasa Matete pour violation des consignes et meurtre de M. Rossi Mukendi Chimanga, activiste des droits de l'homme. Ce forfait a été commis lors de la marche du comité laïque de coordination organisée le 25 février 2018 à la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba. Le ministère public représenté par le colonel magistrat Longwango Moïni Richard a fait observer aux prévenus, tous deux de la police nationale congolaise, l'obligation de se mettre en tenue de service toutes les fois qu'ils sont appelés à comparaître à l'audience. La haute cour militaire présidée par le colonel magistrat Ekofo Nganya Martin a renvoyé l'audience au jeudi 20 octobre 2022. Monsieur le président de la haute cour militaire, mon colonel, audience élevée. L'aumônerie protestante des forces armées de la République démocratique du Congo en collaboration avec l'Association internationale des aumôniers évangéliques sous l'égide de l'Église du Christ au Congo a clôturé le dimanche 2 octobre 2022 à la paroisse pilote de l'aumônerie protestante qui le temps qu'on est Kokolo, la formation internationale des aumôniers militaires. L'objectif de cette rencontre est de développer une relation saine avec le commandement. Ce séminaire a regroupé des différents aumôniers militaires protestants des forces armées de la République démocratique du Congo. Durant 7 jours, soit du 26 septembre au 2 octobre 2022, les aumôniers militaires réunis en panel ont échangé sur des différents sous-thèmes, à savoir un appel à l'aumônerie, développer une relation saine avec le commandement, préparation spirituelle, principes universels et rôle des aumôniers dans l'armée, l'éthique professionnelle, développer un ministère des conseillers, les conventions et des codes de déontologie des aumôniers militaires ainsi que tant d'autres.
À sa cinquième journée, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Mbalamou Saint-Célestin, a encouragé les séminaristes et remercié les différents partenaires pour l'organisation de ces assises. Il a également souhaité qu'une formation analogue soit organisée à l'intention des commandants des unités pour un réarmement spirituel. Plusieurs interventions de haute facture ont été développées par des éminents évangélistes, dont l'américain le révérend docteur Steve Cooper, le camerounais le révérend docteur Augustin Tiekoua, et l'aumônier militaire camerounais, le colonel Kwakap Célestin. Dans son mot de clôture, l'aumônier en chef de l'aumônerie protestante, le major théologien Ndengidila Kungumina Diedoné, s'est dit satisfait de la réussite de cette organisation. Il a aussi remercié les participants pour leur assiduité tout au long de ces forums. L'aumônier protestant de la 2e zone de défense à Lubumbashi, le colonel Edi Lembelembe, et l'aumônier protestant en chef, le major théologien Ndengidila Diedoné, ont livré leurs impressions. Et notre souci, nous venons de dire ça au chef d'état-major général, que le même séminaire soit aussi dispensé à nos commandants pour que nous puissions parler un même langage, parce que nous sommes leur appui spirituel. Et l'armée peut réussir si le spirituel d'un militaire est au zénith. C'est ce que tu vas faire de ce soldat, un bon militaire, sur qui l'État congolais attend de lui un bon rendement. Ce qui justifie notre présence ici, c'est le séminaire. Nous avons organisé un séminaire de renforcement des capacités en aumônerie militaire. C'est pour donner un réconfort, donner des capacités aux aumôniers de comprendre leur métier comme il se doit et de mettre en pratique ce qu'ils doivent apprendre ici. Parce qu'il y a des leçons que nous, en tant que théologiens, nous avons reçu au niveau de l'université, mais ce n'est pas l'aumônerie militaire. Alors c'est pourquoi nous avons invité certains experts, des gens qui ont été d'abord des anciens aumôniers, qui sont retraités et qui sont venus nous apprendre ce que c'est l'aumônerie militaire. Vous savez, il y a un grand homme qui a dit, faire un travail que l'on ne connaît pas, c'est un crime. Alors, c'est la manière dont nous avons travaillé hier, j'ai dit hier, les années antérieures, et les aumôniers qui doivent commencer à travailler aujourd'hui et demain, ça sera vraiment d'une manière différente. Ça ne sera pas la même chose. Nous voulons que nos commandants puissent s'imprégner de ce que c'est l'aumônerie militaire. Lorsque le commandant doit comprendre ce que c'est l'aumônerie militaire, il doit travailler en symbiose, en synergie, il doit composer avec l'aumônier et le travail du commandant sera allégé par ce que l'aumônier va faire. Parce qu'il doit y avoir une relation étroite entre le commandant et l'aumônier. L'aumônier vient pour renforcer les commandements de son commandant. Alors, si le commandant ne veut pas associer l'aumônier dans ce qu'il fait, or, l'aumônier fait partie de l'état-major du commandant. S'il n'est pas là, comment il doit savoir que l'aumônier est en train de m'aider à pouvoir bien faire? Donc, moi, je pense que le commandant de chaque unité doivent aussi connaître et comprendre ce que c'est l'aumônerie militaire. Quel est le rôle de l'aumônier dans son unité? L'aumônier n'est pas quelqu'un à jeter dans la poubelle ou bien de laisser pour compte. Non, il doit travailler avec son aumônier, parce que l'aumônier vient renforcer, non seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan dans tous les domaines. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux aumôniers protestants des forces armées de la République démocratique du Congo.